Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Show and Event. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Ernest Tori, qui est le vice-président de la jeunesse communale de Cocody et président de la jeunesse d'Ebo. Bonjour M. Ernest Tori. Bonjour madame. Bien, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Et là, vous êtes là pour nous parler d'un rassemblement en vue d'une activité qui se passera... Je vais tout simplement vous laisser le temps de nous dire qu'est-ce que c'est. Merci. Je suis effectivement Ernest Tori, vice-président de la jeunesse communale de Cocody. Je suis là sur votre plateau effectivement pour parler d'un grand rassemblement, parler d'une grande activité. Il se trouve que depuis peu, nous avons initié une série d'activités, une caravane qui tourne un peu dans les quartiers de Cocody. Oui. Et donc, cette caravane dépose ses barrages à la Riviera 2 pour une grande activité. Donc, ce samedi 3, nous aurons à faire une grande activité au niveau de la Riviera 2. D'accord. Et en quoi consiste cette activité-là? Cette activité, déjà, est à l'initiative de la jeunesse de Cocody. Elle est pour la jeunesse de Cocody. Elle est faite par les jeunes de Cocody. Bien sûr, réunis au sein de la fêtière de l'association de jeunesse de Cocody et aussi accompagnée par le mouvement de jeunesse debout, dont je suis le président. Nous avons engagé la jeunesse de Cocody sur la notion de la valorisation de l'action citoyenne, la valorisation de la participation des jeunes à l'action citoyenne. Nous voulons que les jeunes, qu'on arrive au changement par la participation active et massive des jeunes à l'action citoyenne. Donc ce 3 mars, qui est un samedi, dès 7h du matin, nous invitons tous les jeunes de Cocody à se rassembler, à rallier la place de la Riviera 2, la place de l'échangeur de la Riviera 2 pour une activité de sensibilisation, d'assainissement, pour des échanges entre jeunes, pour une rencontre déjà entre jeunes. C'est dans cette logique effectivement que nous avons. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est l'avantage même que ce rassemblement-là ou voilà, on va dire ces activités-là auront sur la jeunesse de Cocody. Bon, donc, cette activité déjà est une prise de responsabilité des jeunes. Elle est une prise de conscience des jeunes. Des jeunes qui veulent se démarquer. Des jeunes qui sont conscients que c'est eux qui peuvent agir. C'est eux qui peuvent amener le changement. C'est eux qui peuvent engager l'action citoyenne. Vous savez, il faut une éducation populaire. Et cette éducation populaire ne peut se faire que dans l'action citoyenne. C'est en faisant ces actions-là qu'on peut éduquer chaque jeune. Et à savoir que la rue n'est pas forcément une poubelle. C'est des choses qu'on a toujours dit. Mais aujourd'hui, les jeunes prennent le devant de cet engagement-là. En étant dans les quartiers, en étant dans les différentes rues, en train de se mettre à l'action. D'accord, pour procéder, on va dire, à un assainissement de la... Un assainissement, oui, mais ce n'est pas aussi un assainissement au sens plat du thème. Oui. Parce que nous n'avons pas la prétention de pouvoir, avec nos maigres moyens, balayer Cocody et rendre Cocody propre. Nous savons que par endroit, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme nous disons, nous nous engageons sur la valorisation de l'action citoyenne, sur la valorisation de la participation des jeunes à l'action citoyenne. Si nous avons reçu ce pari, je pense qu'au-delà des jeunes de Cocody, on pourra trouver des jeunes de Macori, des jeunes de Port-Boué, et c'est d'ailleurs le cas dans par endroit. Il faut que cette initiative-là soit soutenue et qu'elle soit plus engagée. D'accord. Donc, nous sommes pratiquement à la fin. Vous allez tout simplement... je vais vous laisser le temps de lancer un appel à l'égard même de la jeunesse de Cocody, tout simplement, ou de la population de Cocody. Merci. Alors donc, jeunes de Cocody, chers amis de Cocody, chers jeunes debout de Cocody, ce samedi 3 mars, nous vous invitons tous à participer au changement des visages de Cocody. Ce 3 mars, vous êtes invités au rond-point de la 2, dès 7h du matin. Venez tous participer à cette opération d'assainissement, d'échange, de sensibilisation. Ce samedi 3 mars, votre engagement compte, votre participation aussi. Nous en tenons tous et nous voulons que vous soyez déterminés. Déterminés comme nous le sommes. Déterminés comme les jeunes des autres quartiers le sont. Donc nous vous attendons le 3 mars et nous comptons sur vous. Merci. Voilà.
En tout cas, tout a été dit avec Monsieur Ernest Horry. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Show and Event. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.